Voilà, comme vous l'avez certainement vu dans le titre, c'est une vidéo prise de notes et donc c'est bien improvisé comme d'habitude. Et bien, ça va durer 10 milliards de minutes. On va dire yo tout le monde. Et bien, dans cette vidéo-là, comme vous le savez très bien, et bien, j'ai de grosses annonces à vous faire. Déjà, on va parler du sondage. Un sondage qui a bien apporté ses fruits, puisque on a, que je vous le rappelle, enfin, bon, pour vous résumer la situation, j'en ai marre de YouTube. Et donc, du coup, eh bien, j'ai fait un sondage il y a un mois de cela, enfin à peu près, pour vous dire si je dois quitter YouTube.com ou pas. Et les résultats ont été très concluants, puisque vous avez été très nombreux, ça veut dire 4 personnes, voilà quoi, voilà, à voter oui. Hein, je dois quitter YouTube. Et donc, bah voilà, le résultat s'est pas fait attendre. Oui, eh bien, je vais arrêter les vidéos sur YouTube. Et donc, quitter ce site de merde qui est YouTube. Voilà, c'est bien. Bon, j'ai pas que ça à vous dire, puisque bon, je dois vous dire aussi les détails de les conditions d'utilisation de ce truc-là. Non, je déconne, je dois vous dire les conditions de départ de ce truc là. Donc, eh bien, je vais pas vraiment supprimer cette chaîne là. Et pourquoi je parle comme un vocabulaire de YouTube, c'est pas possible là, les jeunes là et tout. Enfin, non, là, ce que je veux dire par là, eh bien, c'est que non, je vais pas supprimer, je vais juste désactiver. Puisque bon, quand même, ça fait 3 ans que je fais des vidéos, j'aimerais quand même garder un patrimoine de ceci. Et là, on est déjà à 2 minutes, c'est génial. Ensuite, non, donc, eh bien, on va pas le supprimer, mais désactiver, ça c'est pas pareil. La chaîne YouTube, ça veut dire que bon, c'est comme si vous l'aurez, si je l'aurais supprimé. Bon, voilà, considérez que j'ai supprimé cette chaîne YouTube, hein. Et donc, eh bien, la date de cette désactivation sera effective à partir du 1er juillet, du samedi 1er juillet 2017. Et donc, eh bien, comme je vous l'ai promis dans le sondage, je vais migrer. Non, je vais pas arrêter les vidéos comme ça, hein. Eh bien, je vais migrer sur un autre site. Mais un autre site, lequel? Ça, je ne sais pas encore, parce que bon, cette vidéo-là, je le fais à chaud, voilà, à chaud là. Je viens tout juste d'apprendre les résultats. Et donc, voilà, j'ai pas encore fait décider sur quel site j'allais migrer, tout simplement. Donc, je vous en dirai ça plus dans quelques semaines, tout simplement. Mais pour la première fois dans l'histoire de la chaîne, on va continuer les vidéos jusqu'à fin juin. Puisque je vous rappelle que en juin 2015, eh bien, j'ai arrêté les vidéos au début juin. Hein, et l'année dernière, en juin 2016, eh bien, j'ai carrément pas fait de vidéo ce mois-ci. Hein, c'était génial. Et là, enfin, je vais continuer à faire mon truc jusqu'au bout. Puisque bon, comme on l'a dit, eh bien, terminons quand même sur une bonne note, n'est-ce pas? Et ensuite, parlons de autre chose, ça veut dire la saison suivante. Et donc, qu'est-ce que je vais me dire? Eh bien, c'est que mon téléphone bug, mais bon, c'est pas ça. Eh bien, c'est que la saison suivante, eh bien, comme vous le savez déjà, comme je vous l'ai dit précédemment, eh bien, je vais pas arrêter les vidéos, c'est génial ça. Et donc, il y aura bien une prochaine saison 2017-2018. Hein, et donc, l'identité visuelle ne changera presque pas, hein, puisque je vais vous en parler ça plus tard, mais bon. Si vous êtes habitué à ça, eh bien, c'est génial. Et si vous n'êtes pas habitué, eh bien, vous pouvez découvrir cette identité visuelle. Enfin bon, bref, je parle comme une merde, hein. Et c'est génial à l'oral. Eh bien, ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Eh bien, c'est que, enfin bon, normalement, là, eh bien, il y aurait peu de vidéos prévues pour la saison suivante. Parce que bon, voilà. YouTube, etc. Là, je sors de ça, là, ça m'a traumatisé. Bon, voilà. Hein? Mais bon, comme je migre sur un autre site, eh bien, vous aurez peut-être des meilleures vidéos de meilleure qualité, tout simplement. Hein? Et ensuite, ça, c'est une première chose. Enfin, une deuxième chose, mes notes. Et ensuite, eh bien, ce que j'ai à vous dire, eh bien, c'est que je ne sais pas quelle émission je vais continuer ou faire ou créer. Enfin bon, j'ai pas encore préparé. Là, je vous dis ça à chaud encore une fois. Hein. Mais ce que je peux vous déjà dire sur les émissions, c'est que les désinformations internetisées ne ressembleront plus à ce que vous avez aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien, parce que voilà, l'actualité générale, en général, la politique, l'économie, etc. Je menace de ça. Là, je peux pas trouver de choses intéressantes à faire avec ça. Alors qu'avec les actualités insolites, il y avait quand même de la matière, pas beaucoup, mais quand même. Et donc, c'est pour ça que les désinformations internetisées ressembleront, enfin, vont repasser sous un format un peu plus insolite, un peu plus humoristique que des trucs un peu sérieux, comme par exemple, comme ce qui vient de se passer aujourd'hui.
eh bien, la rencontre entre Emmanuel Macron et Donald Trump. Hein, voilà. Donc, les désinformations internetisées, en gros, ne seront plus comme avant, car le format ne me convient plus. Mais, en échange de ça, eh bien, j'ai un nouveau projet. J'ai un nouveau projet sur l'actualité générale, mais je vous en dis pas plus. Parce qu'il est encore dans mes cartons, voilà, mais j'ai un peu l'idée dans ma tête, voilà, il va certainement se réaliser. Et voilà, j'ai un nouveau projet qui va remplacer un peu les désinformations internetisées d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'actualité générale, etc. Comment dire, voilà, ce projet sur l'actualité générale, etc., Macron, Trump, etc., eh bien, c'est le deuxième gros bloc de ce que j'ai à vous dire, des grosses annonces que j'ai à vous dire. Et c'était tout pour ces grosses annonces sur ma chaîne. Donc, en gros, voyez, oui, parce que, voilà, en gros, en un, eh bien, je vais supprimer ma chaîne et partir sur un autre site parce que, voilà, YouTube me casse les couilles, hein, n'est-ce pas? Et en deuxième, eh bien, j'ai un autre gros projet, voilà. Je suis enceinte. Non, je déconne, mais bon, j'ai un autre gros projet dans les cartons sur l'actualité générale, l'info, etc. Voilà. Et donc, c'était tout pour ces grosses annonces. Et là, j'ai plus qu'à vous dire salut à tous et à la prochaine. Et oui, je sais, c'est triste, mais bon, voilà, on fait comme on peut. Donc, voilà, salut à tous et à la prochaine. Je vous l'ai dit deux fois, mais bon, c'est pas...